Salut tout le monde, Drunkslane avec vous pour la suite de notre aventure Witcher 3. Nous sommes donc de retour dans la ville de Blanchefleur. On va essayer de voir si je peux pas me faire de l'argent pour m'acheter l'armure au complet. J'aimerais ça récupérer l'armure qui est quand même, je pense, meilleure que ce que j'ai. Donc voyons voir si je peux vendre un peu mes affaires. La barbe continue de me pousser. J'aimerais ça pouvoir acheter tout ça. C'est quand même pas mal d'argent. J'ai le niveau qu'il faut et ça serait et je serais bien heureux. Donc essayons de voir si je peux vendre des affaires. Il a zéro argent. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Ça c'est dommage. On va essayer de se trouver un autre marchand avec un peu d'argent. Ok. Je sais que la fille a de l'argent. Je sais pas si elle voudra m'acheter des trucs. Ah, il y a le marchand qui est là-bas aussi. Est-ce que je peux me téléporter au marchand qui est là? Il a plus d'argent que les autres. Oui, donc on va se téléporter ici, ok. Allez, cours. J'ai même pas vu sur le panneau il y avait des nouvelles affaires. On va juste regarder au cas où. Je suis à côté. Non, non, y'a rien. Et y'en a nouveau. Oh la vache. Ça n'arrête pas. Donc voilà, j'ai des nouveaux points d'intérêt. C'est infini, j'ai l'impression, ces affaires-là. Hein. Je pense que c'est comme ça fonctionne. Regardons un peu. J'ai rien de plus par là, c'est déjà ça. Non plus par là, c'est déjà ça. Rien de plus, donc je sais pas, c'était dans une autre zone. En tout cas, je ramasse des affaires, mais là, j'ai pas beaucoup de points. J'ai ces points d'interrogation là, celui-ci. Et c'est tout ce qui me reste finalement. Tout le reste a été fait. Ah oui, tout le reste a été fait, donc il me reste ça. Il me reste 4. Parfait. Puis ils sont dans la zone dont j'ai besoin. Donc on va se téléporter. On va aller, pouf, ici, voir notre vendeur, en espérant qu'il ait un peu de cash. J'ai même pas regardé combien ça me coûterait. J'ai quand même un peu oublié de regarder combien ça coûterait pour avoir l'armure. Au pire, je vends toutes mes affaires, mais je suis pas sûr que... On va checker. Ne rien leur voler ici, sinon ils nous attaquent. Allez, petit vendeur. Non, j'aimerais ça que tu me vendes tes affaires. T'as-tu un peu d'argent? T'as 800. Regardons un peu ce que je peux te vendre. Ah, il y a des choses que tu veux pas. T'es spécial. Et ça, clé ornée d'un lys témérien. Objet ordinaire. Ah, j'en ai plus besoin, je l'ai utilisé. Tiens, prends ça. J'ai 648. Tu veux-tu récupérer un peu tout ça? La vigueur. La vigueur. Ah, peut-être, j'ai pas de sel. T'as encore de l'argent? Ça, à quoi ça sert? C'est d'amélioration. Là, il veut rien. Là, s'en fout. Et là, c'est bon. Ok. Non. So long. Ok, voyons voir un peu. Inventaire. Est-ce que mon cheval a quelque chose? Il a une selle qui donne 20 de vigueur. Et celle-ci donne aussi 20 de vigueur. Va l'avant. On va l'avant. Pouf. Est-ce que j'ai assez d'argent? J'ai quand même aussi un point si je peux utiliser, je pense. Ouais, c'est ça. Donc là, j'ai quand même mis des affaires intéressantes. Je vais continuer à mettre dans le combat. Pour être encore plus fort à l'épée. Puis là, je vais améliorer... je sais pas trop quoi. L'armure. Puis là, je vais retourner me téléporter. Je pense que je peux aussi améliorer mon arme. Autant tout améliorer à chaque fois qu'on peut, hein. Utiliser et voilà, donc là je peux améliorer les deux.
plus 15 minutes d'amélioration d'armes et d'amélioration d'armure. Ce qui n'est pas négligeable. Donc là, on va aller... On va voir ce que je peux construire aussi. Pas alchimie, mais... alchimie, peut-être? Non, pas alchimie. Pas encore toute alchimie. Artisanat. Ouh, je peux en faire des affaires. Ok. Ok, j'ai compris. Il faut acheter les armes et les armuriers. J'ai compris. Ok. Qu'est-ce que j'ai de cool là-dedans? Une manche. Une épée. Ça, ça serait cool. Mais une épée d'Orienne, j'en avais déjà une. Une équipement. Épée en acier de l'école de la vipère. Et puis en argent. Niveau 12. Niveau 2. Ça, j'aimerais ça. Et puis équipement de sorceleur, parfait. Celle-là. Et puis en argent, l'école de la vipère. Ça, c'est une épée de sorceleur, right? J'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Oh, ah, je suis un peu limite, par exemple. J'ai juste une fois la poussière d'émeraude. J'ai tout ce qu'il faut sauf la poussière d'émeraude. Est-ce que ça prend aussi de la poussière d'émeraude pour lui? Ouais. Je peux-tu en acheter quelque part la poussière d'émeraude? J'aurais deux. Ouais, c'est ça, j'aurais deux choses qui m'intéresseraient. Donc là, on se retéléporte. On va voir si je peux aller acheter l'armure. J'ai quand même un gros doute sur la chose. On va voir ça. Ouais. T'as toujours pas d'argent? Toujours pas d'argent. On va voir si je peux acheter. Bon, combien j'ai? Ça coûte 230. 230 plus 190 plus 100 plus ça. Ah, je peux tout acheter. Faire attention à ce qu'on achète. Puis au niveau du... Ça, je l'ai déjà, je pense. Ah, ça, je peux peut-être... j'ai plus assez d'argent. Je peux pas acheter ça. Je peux rien acheter. Dommage, j'aurais bien voulu. Ok. Adieu. Take care. Ok, ici, on a une nouvelle armure. On va se mettre en plein jour. Hop là, c'est parti. Pour voir correctement l'armure. La fameuse armure. Ok, lève-toi, on va se mettre au soleil. Et là, on va s'habiller. Inventaire. Pouf. Pouf. Au moins, c'est tu... Ah non, il est... Hein? Ok, les bottes. Ça. Ça. On est en couplet. Et j'ai rien de plus. Cool. Ouh. Cool l'armure. Vraiment cool. Cool. Maintenant. J'aimerais ça me faire les deux épées. On va aller regarder ça. Y'a rien au panneau, Ah, y'en a encore deux. Ça n'arrête pas, man. Ça rentre tout le temps. Ok, donc là, c'est lui, c'est des armures qu'il peut faire. Il faudrait un gars qui puisse me faire... des armes. Lui, fait quoi? L'armurier. Ça, c'est quoi? Armurier aussi. Et tu me l'as aiguisé. Y'a rien pour me faire des armes, je pense, ici dans ce coin-là. Non, je peux pas me faire des armes dans ce niveau-là. Il faudra que j'aille faire ça ailleurs.
Ok, bon, bah on va aller faire ça, tant pis. Je peux-tu te vendre des affaires, par exemple? Genre, mes vieilles armures. T'as un peu d'argent? Oh, merci. Tu me vends pas beaucoup de choses, mais tu veux rien m'acheter ici. Ok. C'est pas... Ah. Au revoir. Good. Je vais aiguiser mon arme. Toujours ne pas oublier d'aiguiser son arme. Voilà, au moins ça c'est... C'est déjà ça. Cheval. On y va, cheval. Faster. Faster. Et tourne. Ok, go. Bon les boys, poussez-vous. La fille, es-tu condamnée, genre? Oh shit, t'es tombé. Fais gaffe, man. Ouais, non, tu m'attaqueras pas. Toi non plus, tu m'attaqueras pas. Et là, on s'en va en plein milieu de la forêt. Oh, wow. On y va, on y va, on y va. Place of power. Oh, un spectre. Un spectre, lui, c'est... ça. Vas-y, viens, t'as. Hé, hé, hé. C'est ça les pièges, là il faut absolument... Ah oui, j'ai encore quelque chose par ici. Ah c'est ça. Une alchimie, parfait. Ouf, il y a un point de compétence. On aime ça. On va tout de suite aller mettre un point de compétence dans... J'ai envie de booster ça à fond. J'y suis presque. Ok, next. Ici. C'est parti. Cours. Cabochard. Oh, on se calme. Non, je cherche pas les ennuis. C'est quoi ce bordel ici? Oh, oh, calme-toi, 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 calme-toi. Fais ta job, là. C'est parti, on y va. Projeter tout droit, éviter les arbres. Et voilà. Oh. Tu aimais ça? Tiens. Tu aimais ça? Attends. Tiens, as-tu aimé ça? Tout le monde est mort. Facile. Ok, regardons un peu. Okay, c'est pas ça que je veux. Oh, 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 calme-toi, calme-toi, calme-toi. Arrête de courir partout. De chasse et de l'argent. On aime ça de même. Ok, ici un cadavre. Good. Maintenant, regardons avec nos sens ce qu'on peut trouver de plus. Ici, un manuscrit. Nouvelle formule. Le phosphore. Ah, y a un cadavre. Ok, je peux mettre ça en feu. Et là, y a un gars mort. Parfait. Wow, oh, ça brûle. Calme-toi. Feu. Mais non, petit cheval. Sois pas bête, cheval. Et voilà.
Next. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ce coin-là. C'est parti. Giddy up. Oh, c'est comme des petits marécages. Wow. Oh. T'es quoi toi? Oh shit. Ok, ok, tu commences à me casser les couilles. Tu sais que tu vas y passer, hein. Mettons un protection. C'est ça. Ah bah là j'ai une entrée. Super. Ramasser. Excellent. Restez dans votre coin, vous. Hein. C'est quoi les herbes ici? Petite herbe de merde. Parfait. Oh, quoi ça vibre? Ramasser. Ok, et puis lui, c'est fait. Wow, ok. Empoisonnement. Bon ben j'ai fini toutes les points à part l'huile parce que c'est un niveau 10 puis moi je suis juste un petit niveau 4 donc ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner en ville puis on va aller faire la mission. C'est parti. Moi, je prends l'épée là. Ça en va. Oh, une maison abandonnée. Allez, c'est parti. On y va. Ça, l'endurance du cheval ne diminue pas. Ah, pas bien sûr, c'est coincé. Quand il est sur la route. Travaille fort ici. J'ai un petit peu raté mon coup, je pense. T'es obligé de revenir. Je peux revenir par là, parfait. Travaille fort, ça va. J'ai même pas regardé si j'avais une quête. Non, j'ai pas de quête. Ouais, suis la route là. Suis la route. Les gens travaillent, c'est bien. Ça, bienvenue en ville. Attends, ma chaîne dit kéké. Y'a les autres, y'a-tu d'autres? Parfait, y'en a pas. Marche-tu dans le dabou? J'ai pas vu quelque chose. Oh. Tu vois le texte qui est là? Ah. Produit recherché, rayon de miel, achat à bon prix, quantité importante, souhaitable, tomari. Tomira, l'herboriste. Ah. Donc si on lui ramène du miel, on va faire du cash. Intéressant. C'est parti. Bon. Allons juste voir la vendeuse. Hey, fille. Ok. T'as des cartes, fille. Carte neutre, carte spéciale. Mais c'est bizarre, c'est comme si je les avais déjà. C'est comme si je les avais déjà. Eh, je peux t'en vendre des affaires, toi, fille? T'as pas grand chose au niveau de l'argent. Je vais les démonter, c'est tout ce que ça va faire. Farewell. Comment je suis passé de l'autre côté?
Ok, go, on y va. On continue l'histoire, Go. Yennefer's in Vizima. Got a few friends there, so... Something wrong? Look around. Trouble brewing. Who are they? Patriots. Drinking their seventh round for Temeria. Fists starting to itch. Don't see any Nilfgaardians. You'll find another foe. I'll buy some provisions for the journey. Then we'll go. Geralt, we should stay out of it. Just this once. What happened to the lilies? Took them down. Took them down? To hang a golden sun there now? I cannot show Temerian colors. They'll come and burn the tavern down. Maybe it's true what they say. You fond of the Imperials? You Nilfgaard's whore! I'll let that pass. I know grief eats at your heart. You know shit! They hang my sister, dragged her out the cloister like a dog. Said Nilfgaard's no place for superstition, that they don't fear the wrath of the gods. And you, do you fear it? If not for Annie, your child would have choked on its navel string. You owe your son to my sister attending to the birth. And you don't fear the gods' wrath. You don't fear it, you cunt! Leave me be! Recognize this medallion? You know what it means. Back off. You all right? They say witches steal young'uns. That true? What the Emperor promise you, freaks? Your own land? Like he did the elves once? Get up! Sticky said, lui. We ain't going nowhere. And neither are you. They won't back down now. I can see that. Oh. Faut-tu les massacrer? Oh, 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 calme-toi. Ok. Je peux l'utiliser comme... ça. Tout le monde couché. Tout le monde est mort. Ils l'ont cherché, hein. Oops, c'est de la violence. It's all right. It's over. Leave me be! Get away! See his face! God save us! Be gone. And don't ever come back. Ben, j'ai rien fait, ils m'ont provoqué. So much for not getting involved. Come on, let's go. J'avais même pas de choix. Oh. That brawl, we didn't start it. Oh, sexy girl. Est-ce qu'elle a une nouvelle coupe de cheveux? Oh, la barbe vient de pousser d'un coup, n'importe quoi. Excuses, excuses. You've not changed a bit. Yen? How? La barbe a poussé d'un coup. About a witcher who'd appeared in White Orchard. I knew it was you, looking for me. I might have waited until you found me, but you know me. Patience has never been my strong suit. It's good to see you, Geralt. I'd even embrace you. Were you not covered in blood? Sorry, I wasn't expecting to see you. To be honest, this isn't at all how I imagined we'd meet. How did you imagine it? You didn't imagine you'd have a Nilfgaardian escort. Don't get me wrong, Yennefer. I'm glad to see you. But I do think you owe us an explanation. And I shall provide it. In Vizima. Ready your horses. We
can talk here. Some charming orchards nearby. In bloom even, so you almost can't smell the corpses. A tempting proposition. Sadly, I must say no. You see, someone awaits you in Vizima. Someone who doesn't like to be kept waiting. Emperor Emir Var Emrys. Or, to those on more intimate terms with him, the white flame dancing on the graves of his foes. Doubt I number among that group. For as I remember, last time we saw each other, he wanted to kill me. Well, now he wishes to make you an offer. The kind one can't refuse. I didn't, though I could have. Must have been a damn good offer then. Not many things you'd give up your freedom for, and even fewer people. The sooner we set off, the sooner you'll find out. What about you? I'm going in the opposite direction. I somehow doubt the Emperor's invitation mentioned me. Besides, I've got things to do and care more. Remember? Yeah, I remember. Thanks for your help, Vesemir. See you soon. How's your horse? Swift? Can't complain. Why do you ask? I'd like to be back behind some thick city walls as soon as possible. Bon. 150 points d'expérience, pouf. Supporty. Faudrait que je retourne ici, j'ai pas tout acheté pour mon cheval. Toujours aussi sexy la fille. You know, I had a dream about you recently. Knowing you, it was probably filthy. Just the beginning. But then. But then. Rise now! What the fuck, man? Ça se produit pour vrai. Elle a pas la même tenue. Sorceress Yennefer. She'd eluded him for years, but now seemed just a few steps ahead. After many trials and tribulations, Geralt finally learned that Yen was in nearby Vizima. Un jour plus tard. Wouhou! Must suffice. Think of your cares if I'm clean. The gentleman will refer to his Imperial Majesty by his full title or not at all. The gentleman will be seated on the bergère. The what now? In that
chair. Oh, enfin une coupe de cheveux. We shave the gentleman's sideburns to half an inch. What's wrong with my beard? Always thought it added to my dignity. It does. Yet it also detracts from your elegance. In Nilfgaard, we consider beards hard on the eyes. Especially beards infested with lice. Been on the road a while. Fine, do your thing. Tilt your head back, please, and sit still. How goes it? Preparations for the audience proceeding as planned? Yes, General. The gentleman will be more or less presentable. Who's this guy? He a barber too? No. Morvran Voris, commander of the Alba Division. Yennefer's escort. They were my men. All of them. Indeed, were. For none have returned to Vizima, have they? I truly wonder what happened on the road yesterday. Perhaps you could enlighten me. You have time. And a razor to your throat. Est-ce que je garde le secret pour moi? Est-ce que je leur dis que la chasse sauvage les a tués? Je vais garder ça pour moi. Your men died in battle, as soldiers tend to. I see their fate does not trouble you overly. True, but I'm guessing the fate of those whose country they invaded didn't overly trouble them. Nordlings, we can bathe you, shave you, and clothe you, but teaching you manners, that will be a challenge. Nice meeting you too. Done. Okay, j'ai eu peur. Against the grain? No. He himself is very much against the grain. That's enough. Farewell, Witcher. Or rather, see you soon. Good. Now the gentleman may dress. C'est là que je peux changer de coupe de cheveux, de barbe. Sadly, I did not receive exact measurements. If the garments chafe, our tailor will adjust them. Où sont mes vêtements? Where are my clothes? Where they should have gone long ago, with the laundress. They will be returned to you after the audience, clean and starched. The gentleman will tell me once he has chosen an outfit. Faut en plus que je choisisse quelque chose ici qui pourrait être intéressant. Le barbier. Oh. Je peux-tu voler? Merveille de Zerikania. Ici, une tasse. Est-ce que Merveille de Zerikania est un... Oui. Oh mon dieu. Oh là là. Ok. On va s'arrêter là. On lira ce livre dans la prochaine vidéo. En vous remerciant de me suivre et de regarder mon aventure dans The Witcher 3, je vous dis à la prochaine. Bye bye.